fait quoi de représenter Israël en vidéo? C'est fou. J'ai jamais pensé que je faisais l'Eurovision, c'est immense. Et quand je suis là, mais je suis heureux comme tout. Tu savais en participant à Star Montant, je ne sais pas comment dire en hébreu. À Kohava Baba. Que le gagnant allait faire l'Eurovision. Je le savais, mais toujours pendant l'émission, toujours je venais genre step by step. Voilà pour le moment. Et après, et quand je passe, je vois ce que j'ai entre mes mains. Et après, je commence à jouer avec ce que j'ai entre mes mains. Et quand on est arrivé genre presque à la fin, alors je me suis dit bon, je suis pas là pour rien. Et voilà, je suis là. T'avais préparé la chanson avant de savoir que t'allais gagner ou pas du tout? Non, ça s'est fait après. Il y avait une en français, je sais pas comment on dit, en anglais, committee. Oui. Et on a entendu plein de chansons et la chanson elle est arrivée. Et je sais pas, on a vu quelque chose. On a commencé à travailler et voilà, c'est là. On est là. Tu prépares un album, quelque chose pour après? Pour après, on commence à travailler, mais en attendant, on est en train de travailler sur l'Eurovision. Ça veut dire que j'ai pas trop le temps de faire pour mon après, mais oui, on va travailler, je vais pas m'arrêter. T'as pas trop la pression, ça va? Non, stress et tout ça, j'ai pas. Je suis super content, vraiment. Je vous dis dès maintenant, je suis né en France, j'avais 3 ans, je suis venu en Israël et depuis je suis pas retourné, alors mon français il est pas top, alors je m'excuse. Mais voilà. Tu as appris français en Israël après? Non, en France. Je suis venu en Israël quand j'avais 3 ans, alors toujours on parlait français, mais ça tombe. Mais voilà, j'essaye. T'as déjà fait des interviews pour des médias français? Ouais, j'ai fait. Il y a quand même du soutien en France, ça te fait plaisir? Ouais, c'est sympa. T'as écouté un peu les autres participants? Ouais, j'ai écouté, mais je me rappelle pas vraiment c'est à qui chaque chanson, mais j'ai vraiment kiffé la chanson de Australia, de Guy Sebastian. J'ai vraiment aimé. Et j'ai écouté beaucoup de chansons, mais je me rappelle pas vraiment c'est à qui. Mais j'ai bien aimé tout. Il y a plein de choses sympas. Et la chanson française de Bizarre? Je me rappelle pas vraiment. Mais j'ai bien aimé tout ce que j'ai écouté, c'est sympa. Et t'espères quoi comme placement à Vienne? Moi, je pense que l'Eurovision, c'est pas vraiment. Je suis venu pour gagner. Tout le kiff, c'est pour moi. J'ai que 16 ans et j'ai la chance de voir des gens que j'ai jamais vus, des cultures que j'ai jamais. Je vais jamais avoir la chance de voir. Alors, je suis là pour apprendre et voir des choses. Je suis super content. Je suis vraiment. Et voilà. Bon, bah merci. Allez, vas-y. Et puis, à Ok. Bon. Okay.